أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يعني في جمع القرآن سأجيء on depuis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ça veut dire première fois dans l'histoire que Bana, je peux faire une compilation Coran pour Ummad, ça veut dire ce qu'on appelle cover to cover, c'est-à-dire on depuis surat al-Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ça, première fois qu'il finit ça, c'est dans l'époque Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, suite à juste après la guerre de Yamama, comme maintenant environ ce qu'on appelle 70 Qurans. C'est-à-dire même qu'ils ont fini apprendre Coran, Pokéa, avec directement avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, je ne sais pas si je dis qu'on dit Hafid, mais c'est moi qui aussi que ce tafsir, c'est-à-dire traduction Corana avec ce implication, c'est-à-dire qu'il y a Coran qui met le commandement et il y a là-dedans. Et qui va être interdiction et là dans sa bande à la Coran. Maintenant, nous voulons écouter qui va être avocat civique, lui, ça veut dire, nous disons comment on est un petit peu réticent pour faire ça parce qu'il allait pouvoir sortir de la Sina. Et bien, ça va être bien, bien conservateur. Et on va tous les temps expliquer un cycle jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise lui-même qu'Allah a fait ouvert sur l'équerre. Et par devant, qu'il est venu faire, c'est. Ça veut dire qu'il y a un chourou avec moi, avec mes sahaba, je finis des sites pour prendre Zayd pour faire Zayd ibn Thabit ou l'Oran pour faire Boudjan au Coran, c'est-à-dire pour faire sa compilation. Maintenant, nous pouvons écouter aujourd'hui qui va être critère, qui va être caractéristique plutôt qui Zayd tient. Pour qui, au Bakr as-Siddiq et avec mes sahaba, je toujours fini de à l'unanimité, je finis donc d'accord pour donner ce travail pour. Faire compilation. Donc, la première petite chose, c'est qui Zayd de Tizen. Et dans l'époque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parle même manuscrit. C'est-à-dire, parmi les premiers, parmi les gens qui peuvent écrire Wahi, c'est-à-dire que tu peux écrire Coran, comme révélation, tu peux descendre. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient une grande confiance. Là, Zayd a témoin que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est allé comme ça. À la fin, et vous comme tu mentionnais, et vous me disiez dans l'espace 15 jours, quand il est fini, on prend une langue à l'heure parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est comme ça, il a confiance dans l'aubaine juive, c'est-à-dire, ça montre donc que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient une confiance additionnelle, là, Zayd pour qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin de mi-sa, travaille, ça, pour lui. Deuxième, Zayd, lui, il tient un homme qui est bien, bien intelligent, il tient un zénès, il tient un sahaba. Il est bien intelligent, il y a la sagesse et il y a une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas comprendre, nous prenons, par exemple, nous, Maurice, nous apprenons des langages, nous apprenons pas l'anglais, français. C'est-à-dire, un enfant, il commence à apprendre les langages à partir maternelle. Il va apprendre A, B, C, D, etc. Il fait des ans maternels, il peut faire 6 ans primaire, il peut faire environ 7 ans. Secondaire, et là, si nous trouvons qu'il est là pour les mêmes enfants, qu'ils ne pas réussi master, ça a bien langage. Mais Zayd ibn Mazen, il réussit master langage hébreu dans l'espace 10 des semaines. Ça, deuxième petite chose. Troisième, il tient un amanat extraordinaire, et il est parmi les musulmans sincères qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il est connu, et surtout, il tient des gens qui tiennent beaucoup akhlaq, il tient bon manière. Quatrième, c'est qu'il dit qu'il y a l'expérience et expertise. Ça veut dire concernant comme une cause concernant l'écriture et surtout une cause concernant écrire Coran. Et Zayd lui, pour une caractéristique additionnelle qu'il y a que beaucoup de sahabas appartiennent, c'est qu'il lit tout ça bien. Ça veut dire qu'on est pour aller pour mes affaires, lui-même il les a que le Coran n'est pas ok. C'est de telle façon, il n'est pas nécessaire, même quand on dit, aller à l'épreuve des autres sahabas. Quand on dit, il fait un gros travail pour Ummah, ça veut dire, quand il est à l'épreuve des autres sahabas, c'est surtout pour cause concernant la vérification. Ça veut dire, en même temps, nous voulons que ça va être ça, quand il fait dire vérification,
Lui veut dire aussi nous gagne Saben Sahaba là sur la couvrir. Concernant Saben Coran qui nous peut écrire là, et lui, Ben Scribe, c'est-à-dire Ben qui s'est écrit en Wahi, d'aller pour Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qui encore vivant, c'est-à-dire il y en a qui, je finis par vous faire, mais il y en a quelques qui sont encore vivants. C'est-à-dire Saben qui s'est encore vivant, qui s'est écrit en Wahi, d'aller pour Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, là, je. Zaid Chikonjot, Zaid Chikonjot, personnellement, il y a déjà une relation de Ben Sahaba, c'est-à-dire tout Ben Sahaba qui explique la Wahid, chacun de Dieu, je connais tout Ben Kamara, et le bouquin, Qatada, lui dit, une fois qu'il finit demande, Qatada, il faut mettre à bien, il finit demande, un assis de mari, un assis de mari, pour le roi, un Sahaba. Il dit comme ça, qui s'en a qui tu peux rassembler pour un dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Anas, Il dit comme ça, il y a Ubay ibn Kab, il y a Mouad ibn Jabal, il y a Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Et là, il y a un peu qui, Ben Sahaba, tout Ben Sahaba, je connais que Zayd n'est pas Ben Sahaba qui fait rassembler pour un. Et le petit chose en bon, c'est qu'il n'y a pas de créer pour un an, comme ça, c'est la bonne condition. C'est qu'il n'y a pas de savoir les scriptures, c'est-à-dire. Même quand on finit, il y a plusieurs façons que le Coran a été préservé. C'est-à-dire que nous avons à l'époque-là. Il y a une façon que le Coran a été préservé, c'est comme dans la tête Ben Sahaba. Ça veut dire, je finis par les Hibs directement à, depuis la bouche de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est une façon. Ben Sahaba qui n'a pas un direct avec Rasoul, c'est une façon qui Zayd, qui fait cross-check avec Zayd. Et. Ça veut dire, il faut dire qu'il y a soit les films, ben la film mémorisé directement avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, c'est qui fait ou bien sa film écrit de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous dire sa film écrit directement de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on voit fait des sens, ça veut dire qu'on s'en describe là. Ça veut dire, nous gagnons là. Ça veut dire que c'est un peu comme ça. Ça veut dire que c'est un peu comme ça. Et il y a un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Mais c'est une scripture qui est un peu comme ça. Qui dit soit le ben rose poli, le lac aux animaux, etc. Ben ça veut dire que tu manges. Ça veut dire que c'est un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Soit rose poli là, un peu comme ça. Soit lac là, un peu comme ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Les films allaient et quand les films allaient, ils capables avec sa famille, sa belle scripture, ça veut dire avec son camarade, en même temps que les films viennent, c'est les films demandent des témoins. Qui va dire, je peux certifier qui ça, lui-même ça, soit ça rospoïda, ça la couleur, les films est écrit dans l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde scribe de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, surtout le sahaba, c'est même du monde qui tient la justice dans un c'est-à-dire c'est pas ben mentir. Maintenant, aujourd'hui nous pouvons ben les leçons qui nous tirent depuis ce qu'ils nous appellent Marakatul Ridda, ce qu'ils nous appellent apostasie wow. Donc tout ben musulman qui s'insère, tout ben musulman qui s'insère, je dans une lecture, je suis content qu'il musulman ini. C'est un truc qui est bien important aujourd'hui. Il y a des trucs qui vous m'ont dit ça. Tout un musulman qui s'insère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et un de mes travaux que je suis supposé faire, c'est réunir Ummah. Et quand je veux dire réunir Ummah, pas réunir le n'importe qui affaire, réunir le Kitab wa Sunnah, le Coran et Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis content qu'il, ben musulman, je fais succès, je avance de l'avant. Et je suis content qu'il, ben musulman, je tenais un rôle dans le monde net en entier. Et le qui chose en compte, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ta'ala dit, qu'il y a une fière, quand Ben Musulman se finit à dire à Coran, à Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Coran, Allah ta'ala dit, les films promettent Ben Musulman qui l'écoute de l'autorité de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans Surah 24, ayat 55-56, Allah ta'ala dit, وعد الله الذين آمنوا منكم على طرف فيها promise à
ben qui n'a pas d'iman, première condition. Ça veut dire pour qui que je fais victoire, pour que je donne l'iman. Deuxième condition, pour amener au salihat, je accomplis ben bonne œuvre. Alors, ça veut dire, لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. على درجة أخرى، nous vous donnons une succession de la terre. C'est-à-dire commandement de la terre. C'est-à-dire du coup, à la درجة أخرى, nous vous donnons victoire. Pareil, comment nous vous donnons victoire? Ben, qui tient en jeu. C'est-à-dire là, à la درجة أخرى, ça principe que à la درجة أخرى, nous vous donnons ben mu'min victoire. Et la même principe, la même condition. Principe là qui était condition qui était. Ce qui dit on a premier besoin d'un iman. Deuxième, les bousins faire juste y a un iman, juste les croyants avec la main, il va faire absolument pas suffire. Alors qu'il mentionne, alors d'ailleurs mentionne waam il nous soit. Et en plus des iman, c'est qu'il y fait ben bon action. Alors là, je comprends. Nous vous donnons le commandement la terre. Pareil comme nous finit de commandement la terre avant. Ça veut dire tout ben peuple qui tient avant nous, ben qui peuple qui tient musulman, ben peuple qui tient iman. Alors ce matin pareil. Tous les temps quand je finis, on va dire satisfait à sa même condition, après je finis. Hein? Iman le roi, deuxième, je finis accomplir ben bon action. À la fin, je comprends, je finis de Dieu, l'autorité, le la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, une autorité que je suis capable de pratiquer bien Allah subhanahu wa ta'ala, wa li yumakkinanna lahum dinahum. À la dernière fois, nous pouvons permettre de nous être capables de pratiquer ce dîme. C'est-à-dire que quand le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam commence à décider en Makkah, les bases sont capables de pratiquer le dîme à la Subhanahu wa Ta'ala librement. C'est une opposition, comment dire, une lourde opposition bien sévère. Dîne à Mouladi, Erdador, Lahoum. À la dernière fois, je peux pratiquer la religion à la Subhanahu wa Ta'ala, qui à la Ta'ala, il faut satisfaire avec eux. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pour moi, wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Alors, ça veut dire pour sans autre légal, pour sans autre situation. Ça veut dire, après qu'il y ait l'époque, je tiens la peur. Nous vous donnons une tranquillité. Nous vous donnons une sécurité. Alors, ça veut dire pour moi, nous vous donnons une tranquillité et sécurité. Ya rabudunani wa la yushikunabi shay'a. Alors, ça veut dire pour moi, je peux aller au moins. Ça veut dire, avec safety, avec sécurité. Et je ne vais pas mettre aucun associé avec moi. C'est lui qui fait faire pouf. Après ça, alors ça maintenant c'est ben fasik, c'est-à-dire c'est ben qui fait transgresser les mille Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu salata wa atu zakata wa atu'u rasula la'allakum turhamun. Alors là, ça comprend. Établir la masse, donner zakat, faire la charité et obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait se faire victoire. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a mis l'iman, qui a accompli avec bon action, qui a même, c'est qui, je vous gagne prospérité, je vous gagne tranquillité, et je vous capable de pratiquer din Allah subhanahu wa ta'ala librement. Et quand je vous fais la guerre contre Ben Koufar, Allah subhanahu wa ta'ala, libou de Dieu, ce qu'on appelle la victoire. Et nous vous trouvons dans sa ayat Qur'an, c'est qui en premier, qui même premier jour qui va dire, rentre dans sa ayat Qur'an là. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ce Ben Sahaba. Et quand nous commençons, concernant Ben Sahaba, en premier qui était, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et c'est-à-dire, lui, finalement, il finit satisfait à sa même condition-là, nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nuit, la victoire. Et pour gagner la victoire, c'est qu'un djimoun, il y en a des choses qui sont extra importantes. Premier, c'est sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si un djimoun n'est pas en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mort de la victoire. C'est-à-dire, quand il commence connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'iman, l'ibizan, en attawakullo Allah subhanahu wa ta'ala, l'ibizan demande l'aide, demande ses coups. C'est-à-dire, il connaît qu'il y fait. Il n'est pas capable de faire victoire, excepté qu'Allah ta'ala fait faire victoire. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala guidance, et il fait droit. Et ça, premier, c'est-à-dire, ça côté spiritualité. Déjà, concernant nous la vie, le la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la loi qu'on dit, la loi universelle, cause et effet, etc. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque, Rasul infiniment de jeux, comment pour prendre toute belle position qui était. Et Abu Bakr Siddiq, quand il prend position pour Umar, ça veut dire, parfois, comment on dit, parfois, bien prend une position drastique, parfois, bien prend une position impopulaire. Ça veut dire que tu ben regou que tu veux trop du monde un pour toi. Alors, bah, c'est lui qui fait face tout ça là. Ça veut dire, par exemple,
قال فين اوباي جيش اسامه اللي في كان لو اوبوزيشن اللي بيبان تاعها ما من دي بي عمر ولا لوان مي سي ما لي كوني كي بيفيدا كي ديريكسيون اللي بي عليه اللي فين كونتي بوان جاب بانش فورورد ادي لافو باغي كوم سا ميم كان اللي فين ديسيد بو قتال المرتدين سا جال لاغي كون بانش كي ابوستازي اي سي تو مانع الزكاه سا جاب بان كي تبي ريفيز دو بي زكاه ا كاليف Et là, je vais vous dire, moi, je vais vous dire, même ça, si tu fais la guerre en Bana, ça veut dire que vous n'avez pas de Sahaba qui, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais finalement, je vous dis que les films prennent sa même position drastique, mais pas permission à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala qui fait victoire, à voir que c'est lui, tu sais, même position que tu prends, c'est l'intention, c'est clair, c'est sincère, mais tu fais la guerre pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu fais la guerre, mais tandis que maintenant, nous guettons, on t'amène des gens qui se fait la guerre là, et là tu fais la guerre pour votre idole, pour votre religion, et là tu fais la guerre à cause casse, et là tu fais la guerre à cause pour gagner, pour gagner un rôle, et là tu fais la guerre à cause de votre fidèle, de votre loyal à votre belle tribu. Et tout ça, nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala finit de donner la victoire contre tout ça, même différents idéologies. D'accord? Parce que, Marakatur Rida, ça veut dire que ça va être tribu contre les finales de la guerre. Bon, ça veut dire que tous ces gens qui font la guerre pour même cause, pour même l'objectif. Chacun tient à ce même l'objectif. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, les films de la victoire. Maintenant, l'autre question encore, c'est que les films qui font à ce terme, c'est que les films placent tout sous confiance lors Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la victoire. Mais en même temps, on va dire, il va finir comme ça, des mots. Mettre ta wakul à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, on dit, non, c'est une croise de voix. Non. Les vingt d'un côté, ce qu'on appelle le monde matériel, tout ben petite chose qui est capable de faire pour lui atteindre la victoire. C'est-à-dire, pas le on dit, je ne comprends pas, nous, on doit avec Allah, on reste dans ma zid. Non. L'islam, ça m'a fait montrer nous chaque chose. Allah, j'ai un Coran dans Surah 8, dans Surah Anfal. Allah, j'ai un Coran, j'ai un Coran, j'ai un Coran, j'ai un prépare pour jeûner tout ce qui est capable en termes de la force. La force vient de toutes façons là. Intelligence, nous trouvons qui. On va regarder ce que tu veux faire, mais tu vas avoir une scout partout pour garder l'intelligence. Tu vas avoir une espion. On va dire, on tient l'Arabie. Pour aller guider sa tribu là, comment a été le tribu là, comment a été le tribu là, comment a été. Maintenant, amener l'information, c'est pas, je dois vraiment je dois dire ou bien je fais une petite dîme à Allah subhanahu wa ta'ala. À la date, on va me combattre, on va me rebattre le khayr. Et ça veut dire, un cheval, turhibuna bihi adu Allah. Et comme ça, tu menaces l'ennemi de faire ce guerrier, wa'adu wa'hum. Et aussi, l'ennemi Allah est aussi de l'ennemi. Wa'aharina min dounihim la ta'alamunahum. Et aussi, tu as une partie qui toi, tu vas conjurer. Allahu ya'alamuhum. Allah ta'ala dit conjurer. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah. N'importe qui c'est que tu veux dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis n'importe qui veut dépenser, il va se casser aussi les dents. Yuwafa ilaykum wa antum la tudlamun. Allah ta'ala dit comme ça. N'importe qui te fait dépenser de cause à la souveraine d'Allah, Allah t'a dit pour péter en bas. Ça veut dire qu'on arrive à mettre. C'est-à-dire, tout quelque chose qu'il peut faire, il n'y a pas d'orbite, il n'y a pas d'orbite. Maintenant, concernant ça, rien pour l'an, c'est que toute action que tu fais, on a une réaction. C'est-à-dire, tout quelque chose, lui, quand tu peux faire, ça, quelque chose-là, il peut aller faire. Tous les faits, il y a une cause. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui trigger ça, l'effet-là, ça, original-là. Et à partir de là, tu peux arriver. Premier step, c'est moi, c'est que c'est pour une cause. De là, pour sa cause, pour une réaction. Donc, avant que ça, c'est qui tu fais? Qui va être step qui vient prendre? Première affaire, le plan. Ça veut dire, comment dire, ne pas se jeter, comment dire, est-ce que je pensais, dans la gueule du loup. Ne pas finir comme ça, on n'est qu'à aveugler comme ça, non. Il va faire ça. Il fait bien le plan. Deuxième, quand une cause concerne la décision making, cette décision qu'il vient prendre, extraordinaire. Et là, il va nous comprendre les affaires. C'est un moment où il peut prendre une décision là, et là, il faut l'opposition. Mais seulement pas devant, tout ben sahaba se finit à l'aïn derrière lui. Et tout ben sahaba, même qui s'y oppose, après je prends non, il tient la raison. Deuxième. Troisième, c'est l'issue organisée. Tu organises l'armée, tu organises l'État, l'issue organise la vie sociale, le WAGT, va dire l'autre semaine, Inch'Allah. Comment la vie sociale tient ben sahaba dans Madina et aussi dans, autour de l'Empire. Et aussi, nous tient la façon sur leading, sur management extraordinaire et façon, nous tient la contrôler. Et en vrai, c'est que l'itinéraire, ce qu'on appelle, est lion mentality. Lion mentality, qui veut dire ça? Quand nous voyons lion. Lion, il y a des animaux plus gros que lion. Par exemple, l'éléphant. Nous avons des animaux, par exemple,
بلي رابيد كيان ليون باغ اكزومبل تشيكا مي سي موان مالغري كي ليليفون سا ميم بلي غروس انيمو كي نون لا تير باغ اكزومبل نون تشيكا سان زانيو فورستس انيمال ان ذا وورلد كي لا تير كي كان بلي فيت كينا مي سي موان جو با ني تشيك كون ديال لي روا دي لا جون دونك كي كي تشوز كي لي فير ان ليون فين لي روا دي لا جون سي سو مينتاليتي ساز انيمو لا سو مينتاليتي ساز اكس كي نجي un mental de fer en acier et un lion sa mentalité qui est là par exemple quand il y a un groupe yen qui vient parfois ça groupe yen là il est capable 10 il est capable 15 il est capable venir faire la guerre contre un lion ça lion là il y a ce qu'on appelle never give up mentality il y a ce qu'on appelle un fighting mentality c'est qui avocat c'est dit c'est là ça veut dire lion là lui il veut la guerre il veut la guerre contre sa belle nana et quand maintenant pour gagner un point je peux perdre je peux sauver je peux aller ça veut dire sacrifier comment dire un lion, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle self-motivated, ça veut dire qu'il est motivé par lui-même, il va dire qu'il y a quelque chose qui trigger lui, et après c'est lui qui tient ça dans lui, radiallahu anhu, et lui, quand vous avez un lion, il peut aller derrière un animal, sauf que lui est un prédateur, les animaux là, il y a un gibier, il peut continuer, garder derrière les animaux là, jusqu'à ce qu'on finalement, il atteint sur l'objectif. Et nous trouvons ça dans l'abogé sédique sur la vie, concernant ça, c'est une distance qui est fin pour là, extraordinaire pour qu'il soit, même qui tu peux refuser pour une zakat, nous tout ça, la mentalité de la voie de l'homme, nous tout qui compte tout ça à bas, tu comptes lui, il tient à ça, c'est ce qu'on appelle la haie, il n'est pas de paix, il n'est pas fin de paix pour composition, il n'est pas fin de paix, et les diamants à bas tout, même je tout aborde mon frère et mon monsieur, les diamants à bas, même je tout aborde mon frère et mon monsieur, mon monsieur, c'est-à-dire, il montre nous à qui point ce qu'il nous appelle l'irrésolu. Li déterminé concernant li convaincu le décision qu'il finit prend li pas comment dire un jour à peu près ben bouge là à peu près li connaît comment dire step by step côte li peut mettre sur les pieds et par là là par devant je tout ça rabat fin à l'intérieur et je tout je fin de lui raison maintenant le petite chose c'est qui li fin applique la loi sharia là il faut nous comprendre les affaires n'importe qui ça n'a qu'il faut applique la loi Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala pour descendre barakat dans le terme. Si tu peux appliquer en terme l'État, Allah Ta'ala pour descendre barakat dans la politique, dans l'État là, ça veut dire que tu prospérer. Si tu peux appliquer dans la vie sociale, Sharia là, pour nous, barakat dans la vie sociale, dans la vie économique, ben, du monde, ça veut dire que nous pouvons gagner ce qu'on appelle qualité, la vie, ben, du monde, ce qu'on appelle standard of living, nous pouvons improve. Zis pour appliquer Sharia, ça veut dire que nous n'avons aucun. La loi qui est pour appliquer, qui est capable d'amener sa quantité, richesse, barakat dans l'humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vient bénir, il vient faire l'humain gagner la prospérité à partir, ça veut dire commencer depuis la vie dans le sol, et aussi quand Abu Ghassidik vient découvrir après Wafat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et parfois, tu as ce qu'on appelle le drawback, ça veut dire. Pareil quand on va dire maintenant c'est une petite dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous vous trouvons en général quand nous fait cause concernant la vie insane en général. Le latin nous vous trouvons meilleur l'été en continu. Après beaucoup barakat, premier c'est de la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam suivi de Khulafa al-Rashidin. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran Alladhina amanu, ma kifina min iman. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. je pas fin couvert cet iman avec ظلم. ça veut dire je pas fin faire du tout. أولئك لهم الأمن. alors ça veut dire comme ça. ça va na je pour gagner la paix sécurité avec Allah subhanahu wa taala. وهم مهتدون. et je pour gagner aussi guidance avec Allah subhanahu wa taala. alors ça veut dire aussi le ayat Quran dans sourate Hajj. الله تعالى يقول سورة سورة بندي آية 40-41 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بان كي جد فين بانا فين تيجد جد فين ديبلاسي دي بي جد لكاز سان أوكين دوا إلا أن يقولوا ربنا الله سجد كانوا بجد سا فرمي زنيراشون من صحابة من مهاجر كان بانا تي اكسبيزي جد دي جد لكاز ظلما سجد بانا تي فعل لبريشو لو جد الله تعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع et à la tâche de moi si Allah subhanahu wa ta'ala qui si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas tu fais répondre même du monde même et pas tu défendre les autres alors qui peut arriver tu peux nous dire chaos total à la tâche de moi par exemple à la tâche de l'ayat du Coran alladhina in makkannahum fil ardh qui nous fait établir les autres de la terre aqamu salat
جل إتاء بين نماز وآتوا زكاة جل الزكاة وأمروا بالمعروف جل أولي البيان ونهوا عن المنكر جل أنبس المال ولله العاقبة الأمور et conséquence finale c'est l'époux Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'état nous guette caractéristique ça, ben, les musulmans qui tiennent dans la première génération là, nous vous trouvons qui على درجة القرآن يا أيها الذين آمنوا وبلغنا إيمان من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على درجة القرآن كي فينتون لدو بوميزون avec دين الله سبحانه وتعالى si je tourne les deux avec دين الله سبحانه وتعالى Allah va amener un nouveau peuple ils sont contents Allah سبحانه وتعالى et Allah content eux على درجة القرآن أذلة على المؤمنين جد أن envers بن croyant أعزة على الكافرين et je dure envers بن كافر يجاهدون في سبيل الله je fais jihad en chemin Allah سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم et je ne pas peur بن جمون qui blâme je ne pas peur بن جمون qui blâme je ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ça c'est un travers Allah سبحانه وتعالى et بن ça va se dire ça c'est des saints de l'époque Rasoul Salat et aussi puis des saints Ouman Murtadin et dans cet ayat Qur'an en premier 25 avant de dire dans l'époque Rasoul Salat c'est un Rasoul Salat avec Ben Sahaba et aussi pour Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Anhu et sur Ben Sahaba et tout qui vient tout Ben Ummat qui vous venez après qui reste toujours dans sa bonne situation et celui qui Allah subhanahu wa ta'ala Allah content c'est à dire qui peut arriver pareil celui qui Allah subhanahu wa ta'ala les contents, ça devient du monde si vous comptez en donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le corps parmi meilleures générations c'est dans l'époque donc maintenant qu'est-ce que je viens de dire c'est dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est extraordinaire c'est qu'il met action sunna ben ça va pas c'est qu'il dit tout ben ça va pas que tu pratiques ça met action sunna comme on dit les wajib comme on dit les obligatoires après ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala je t'y pieux je tiens à ta croix envers Allah subhanahu wa ta'ala après ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin des saints un barakat extraordinaire et à la tradition elle a dit n'aime figuna fi sara wa dara wa kadhi min al aïd wa la afina a l'innas wa allahu yuhibbul muhsini même que fin dépense dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y soit quand je t'y allais je tiens à casse qu'il y soit dans la difficulté wa kadhi min al aïd et je fin repousse je colère wa la afina a l'innas je t'y fin pardon par Jimun après ça Allah Ta'ala Allah Hu Yuhibbul Muhsinin Allah Ta'ala les contents même qui fait Ihsan Ihsan qu'il y a c'est bien qui Rasul Sallallahu Alaihi Hadith Al-Iman Bidhoun Wa Sabouna Shouba Iman est subdivisé en quelques 70 branches meilleur à l'heure celui qui dit La Ilaha Illallah et plus bas plus niveau bas Iman c'est qu'il y a un Jimun il y a vraiment 5 choses le Lari qui est capable de faire nous dit d'eau parce qu'il n'y a pas vite etc. Et Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que l'Iman, la honte, ils font partie de l'Iman. En tant que les condamnés de Mohsini, c'est bien des gens qui ont 70 branches d'Iman intégrées dans eux. Donc, si Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a dit qu'il y a quelque chose, ben, ça va pas juste de tuer l'âme centrale de ta vie. C'est-à-dire que je suis juste content. Tout ce qu'il y a dans la content, je fais ça, je suis juste content. Et un musulman, un qui soumis, les musulmans font ça. Ça veut dire qu'il y a un règlement qui nous a donné la vie. C'est que tout ce qui est Allah Ta'ala content, il veut dire que ça vient nous content. Moi, je suis pareil. Et tout ce qui est Allah Ta'ala, il dégoûté, il détesté. Tout ce qui est Allah Ta'ala, il détesté. Nous aussi, nous détestons, il pareil. Parce qu'il fait Allah Subhanahu wa Ta'ala, il vient détester sa petite chose. Et maintenant, ben ça va, je te donne la vie pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je te voulais gagner satisfaction Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit, wa man awfa bi ahdihi. والتقوى فإن الله يحب المتقين على تجكم ها بن كي زد فين فيدل أزد engagement que je fais prend avec Allah subhanahu wa ta'ala et je fais ma taqwa Allah ta'ala dit content ben qui est là taqwa et des choses qui nous fait aujourd'hui c'est qui on va quand c'est dit lui il tient une humilité extraordinaire envers ben croyant ça veut dire par exemple, les temps où Bana je finis quitte l'islam de finale, donc tout qui Bana qu'est-ce que tu peux faire? Ça veut dire dans ma tribu, que majorité, kafir dans la tribu là, Bana qu'est-ce que tu peux faire? Je tu peux marcher ben musulman, je tu peux gasser les ben musulman, à tes pas qui est là que tu peux tuer dans cette tribu même, Bana qui finit continue reste loyal l'islam. À ce moment-là, on va quand se dire que c'est la compassion. Et qui devine faire, devine faire tout ce qu'il est capable, sa capacité pour aller par sur eux, plus vite que possible. Hein? Et deuxième, quand ben musulman, tu peux faire victoire, qui devine dire, maintenant comme ça, ça veut dire prends revanche
avec Banab en apostasie. Je dis que ça n'a pas n'importe qui ça, c'est pas qui se fait faire, qui se fait tuer, ben, musulman. C'est là qu'on trouve sa réaction, c'est qu'on appelle One Ummah, qui tient dans l'équipe à Bakr al-Siddiq, Rolé Lorman, et même dans l'époque Makan, pour qui tous les temps qu'il se fait faire, le dit que c'est un esclave. Après ça, il se fait libérer. Et maintenant, quand Abou Bakr al-Siddiq, Rolé Lorman, les vivins calif, les petits diminués se sommet qui vous fait pour capable get Ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, Inch'Allah, c'est le conseil que nous pouvons dire en vous, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.